moi, Ted. Je suis en train de visiter une installation de raffinerie. C'est vraiment impressionnant, hein. Ce type d'installation sert à purifier le pétrole et à extraire le soufre comme celui-ci. On m'a dit que tu faisais une thèse sur ce sujet. Tu peux nous expliquer ? Effectivement, Denis. Et cette thèse, je la réalise ici, à l'IFP Énergie Nouvelle, à Lyon, en partenariat avec l'Institut de Recherche de Chimie Paris, à Paris. Et elle fait suite à un master catalyse et environnement et un cursus master en ingénierie sciences chimiques réalisé à l'Université de Poitiers. Et pour répondre à ta question, eh bien le soufre, il provient tout simplement du pétrole brut. Tu sais, celui qu'on extrait des sols. Et cette teneur en soufre, eh bien elle va dépendre de la région du monde d'où provient le pétrole. Si on regarde par exemple le Sahara Blend, qui vient d'Algérie, eh bien il contient en poids moins de 0,05% de soufre. Alors que le pétrole qui provient du Koweït, le Koweït Export, en contient 2,5%, 50 fois plus. Et ce soufre, eh bien il va falloir l'enlever. Pourquoi ? Puisqu'il s'agit d'un poison, à la fois pour les procédés industriels qui traitent le pétrole, pour les pots catalytiques de nos voitures, mais aussi pour l'environnement et pour notre santé. Alors pour ça, eh bien, l'évolution des normes européennes nous a bien aidés. En effet, elle autorise une teneur maximale en soufre dans les carburants de nos voitures. Et si on regarde en ppm, c'est-à-dire en milligrammes de soufre par kilogramme de carburant, eh bien on voit que la teneur a évolué de 3000 ppm en 1980 à 350 ppm dans les années 2000, pour aujourd'hui arriver à une teneur maximale autorisée de 10 ppm. D'accord, j'ai bien compris, mais ça me dit toujours pas comment on enlève ce soufre. Effectivement, Denis. Et pour enlever ce soufre, on va avoir recours à un procédé industriel qui s'appelle l'hydrodésulfuration catalytique et que l'on va retrouver à différents endroits au sein d'une raffinerie. Et ce procédé, comme son nom l'indique, se fait sous pression d'hydrogène qui peut monter jusqu'à 110 bars, des températures pouvant aller jusqu'à 400 degrés et utilise un catalyseur. Alors si on regarde ce qui se passe dans le réacteur, eh bien on injecte la coupe pétrolière contenant les molécules soufrées, dont une est représentée ici avec l'atome de soufre en jaune, et cette molécule va migrer au sein du lit catalytique où une réaction chimique va se passer grâce au catalyseur. Et on va donc éjecter le soufre sous forme d'H2S et la molécule d'hydrocarbure correspondant sans l'atome de soufre. Et si l'on regarde de plus près ce qui se passe à l'intérieur du lit catalytique, eh bien on s'aperçoit que le catalyseur est un solide. Et ce solide, eh bien il se compose de deux parties. Une phase active, représentée par ce feuillet, qui va être le siège de la réaction catalytique, et l'alumine gamma, qui va nous permettre de disperser cette phase active. Et c'est ce qui nous intéresse, nous, dans cette thèse, l'interaction entre la phase active et le support alumine gamma. Donc schématiquement, il y a quatre grandes étapes pour préparer un catalyseur. Donc la première étape, c'est une étape d'imprégnation qui permet de mettre en contact le support avec la solution aqueuse qui contient les précurseurs métalliques, donc typiquement molybdène et cobalt ou molybdène et nickel. Puis vient une deuxième étape qu'on appelle maturation ou mûrissement qui permet aux métaux de diffuser au sein de la porosité du support. Puis vient une ou des étapes de traitement thermique, hein, typiquement séchage et calcination. Et in fine, on a une étape d'activation qui permet de transformer les oxydes en sulfure et former ainsi la phase active des catalyseurs. Et donc même si on sait que le support n'est pas inerte, on sait encore trop peu décrire le rôle qu'il joue dans les processus physico-chimiques qui ont lieu dès l'étape d'imprégnation. Et donc c'est pour ça qu'au cours de cette thèse, on va spécifiquement s'intéresser sur l'effet de la chimie de surface du support, en tentant de la modifier via l'ajout de différents agents modificateurs, et de voir dans quelle mesure cela impacte l'adsorption des métaux et in fine la performance catalytique. On va donc venir modifier la chimie de surface de l'alumine avec trois molécules différentes. Les phosphates, l'acide malonique et le triéthylène glycol, qui vont avoir une affinité différente avec la surface de l'alumine et potentiellement modifier son interaction avec la phase active. Mais comment est-ce qu'on modifie cette chimie de surface? Eh bien d'abord, si on regarde de plus près comment est la chimie de surface de l'alumine, on s'aperçoit qu'on a différents sites en surface qu'on appelle les hydroxyles de surface, des sites d'accroche pour les molécules modificatrices. Ces sites de surface, eh bien, ils diffèrent à la fois par le nombre de liaisons qu'ils vont faire avec les atomes d'aluminium, par l'état de coordination de ces atomes d'aluminium, mais aussi par la face de l'alumine sur lesquelles on les trouve. Et ces sites, ces hydroxyles de surface, vont pouvoir réagir avec les protons, responsables du pH en solution. Ainsi, ils vont pouvoir se charger de manière positive
ou négative et former une charge globale de surface de l'alumine. Mais on y reviendra. Prenons l'exemple des phosphates. Les phosphates vont pouvoir s'adsorber à la surface, se greffer de manière différente, soit en formant un complexe monodentate, formant une liaison avec la surface de l'alumine, soit en bidentate, formant deux liaisons avec la surface de l'alumine, ou bien dernière possibilité, en tridentate, en formant trois liaisons. Bon, bah d'accord, c'est bien beau tout ça. Mais comment on détermine les sites qui accueillent les phosphates et puis leur nombre de liaisons formées avec la surface? Eh bien pour ça, on va étudier la charge de surface dont je vous parlais tout à l'heure. Enfin, plutôt l'évolution de cette charge de surface en fonction de la teneur en phosphore. En effet, on a modifié nos supports par différentes teneurs allant de 0 jusqu'à 4,5% en phosphore et on va venir replonger ces solides dans une solution aqueuse afin de mesurer leurs potentiels états, c'est-à-dire leur charge de surface. Et donc ensuite, on va modifier le pH de la solution aqueuse afin de modifier la quantité de H+. La mesure du potentiel zêta à chaque valeur de pH va nous permettre de tracer ce qu'on appelle une courbe de zétamétrie que vous pouvez voir ici. Et on va s'intéresser à un point en particulier, le point isoélectrique qui correspond à la valeur de pH à laquelle le potentiel zêta est nul lorsqu'on a neutralisé notre charge de surface. Et ces mesures, eh bien on va les réaliser sur l'ensemble de nos supports modifiés au phosphore. Et voici les résultats qu'on a obtenus. L'allure de la courbe reste la même, mais on voit très clairement que cette courbe va se décaler vers des valeurs de plus en plus basses. Le point isoélectrique est donc diminué. Une indication comme quoi on a modifié la charge de surface de l'alumine, on a donc modifié notre chimie de surface. On le voit d'ailleurs plus nettement lorsqu'on regarde l'évolution du point isoélectrique en fonction de la teneur en phosphore. Mais comment est-ce qu'on a modifié notre chimie de surface ? Eh bien, pour avoir des informations complémentaires, notamment sur les sites responsables de l'adsorption des phosphates, on a utilisé une autre technique qui s'appelle la spectroscopie infrarouge et qui permet d'attribuer chaque bande du spectre infrarouge à un site de surface de l'alumine. Et on voit très clairement qu'il y a deux bandes qui vont diminuer lorsqu'on augmente la teneur en phosphore à la surface de l'alumine. Ces informations, couplées à d'autres techniques de caractérisation, telles que la RMN du proton, nous a permis d'établir un modèle, notamment pour répondre à tes questions, la petite voix, à savoir, quels sont les complexes en surface et quels sont les sites responsables de l'adsorption. Alors pour ça, eh bien, on a utilisé un logiciel de modélisation thermodynamique, ainsi qu'un modèle de surface de l'alumine en milieu aqueux. Et ce modèle, eh bien, il prend en compte l'ensemble des différents sites de surface, mais aussi leur charge. Ainsi, on a pu modéliser cette courbe de variation du point isoélectrique en fonction de la teneur en phosphore. Et voici les résultats qu'on a pu trouver. À faible teneur, eh bien, les phosphates ont de la place à la surface de l'alumine. Ils vont donc utiliser la face la plus développée, la face 1-1-0, et former un complexe en bidentate en utilisant deux sites de surface, les Mu1-L4 et les Mu1-L5. Pour les plus hautes teneurs, eh bien, c'est différent. On voit qu'on modifie de moins en moins la charge de surface. On va avoir un autre phénomène, un phénomène de précipitation de surface, où on va former une nouvelle phase amorphe, la phase ALPO4, par petit paquet ou bien par couche, qui va recouvrir l'ensemble de la surface de l'alumine. Et d'ailleurs, Ted, ces résultats scientifiques sont détaillés dans un article, dont le lien se trouve en description de la vidéo. Effectivement. Et ces résultats amènent une compréhension très fine de la chimie de surface du support et devraient nous permettre de rationaliser son effet lors de la préparation de catalyseurs. Et pour la suite, eh bien, il va falloir évaluer l'activité de ces catalyseurs, notamment en regardant leur performance. Eh oui Ted, pour comparer tes catalyseurs, on va utiliser une unité catalytique de ce type-là. Bon, bien entendu, c'est pas à l'échelle d'une raffinerie, mais ça va déjà beaucoup nous aider sur la compréhension de tes réactions chimiques. On va retrouver ta pamelle de molécules soufrées dans ce pot de charge. Le liquide, il va circuler jusqu'à la tête de ce cylindre. Ce cylindre, c'est un réacteur où tu auras mis ton catalyseur dedans avec de l'hydrogène, le tout sous 30 bars de pression et des températures supérieures à 280 degrés. On va se retrouver donc en totale phase gaz à l'intérieur de ce réacteur. En sortie, on a à nouveau à pression atmosphérique et liquide. On va donc récupérer un liquide, une recette. Cette recette, on va l'analyser sur un appareil de chromatographie phase gaz. Et à l'aide du résultat d'analyse, on va se retrouver avec tous tes composés. C'est à l'aide de ces composés-là qu'on va pouvoir déterminer tes performances catalytiques. Allez Ted, au travail! Eh oui, il y a encore du boulot. Allez, j'y retourne, sinon ça va être le cata.
La cata.